Oui, regardez, magnifique fin de journée hier du côté d'Étretat en Seine-Maritime avec un ciel parfaitement dégagé. Les températures restent douces et les conditions météo étaient donc très agréables hier du côté d'Étretat. Je vous conseille d'y aller. C'est très beau et vous avez de très 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 belles randonnées. Allez, du côté des Landes, toujours ce département placé sous surveillance avec la crue qui continue une nouvelle fois aujourd'hui. Et puis, vous allez le voir, les températures sont très douces, mais il y a beaucoup de brouillard ce matin. Visibilité réduite, notamment du côté de Paris, de Troyes, de Millau ou encore d'Auxerre, on ne voit pas grand-chose ce matin. Soyez donc bien prudents. Alors ce matin, donc, beaucoup de brouillard, beaucoup de grisaille également, avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. On retrouve toujours quelques entrées maritimes et quelques averses dans le sud. Brouillard bien nombreux au nord de la Loire. Et puis dans l'après-midi, regardez, toujours un temps un petit peu plus mitigé, notamment autour du golfe du Lion. Des nuages sur le nord, le vent qui se maintiendra près des côtes de la Manche. Côté température, grande douceur ce matin. Quasiment pas de gelée, avec des températures très douces, 6 degrés à Paris, 4 à Toulouse, et dans l'après-midi, les températures resteront très douces pour la saison, avec 11 degrés en région parisienne, 10 degrés à Lille, 15 degrés pour le Pays basque et localement jusqu'à 17 degrés du côté de Marseille.